Nous sommes allés à la rencontre des musulmans de passage à la Grande Mosquée de Paris pour recueillir leur ressenti sur la guerre à Gaza et la participation d'Israël aux Jeux Olympiques. On sait que notre gouvernement français, en tout cas le gouvernement français, soutient sans condition l'État d'Israël. L'État français devrait certainement intervenir davantage et reconnaître les droits des Palestiniens. Nos frères sont en train de souffrir et on sent un petit peu impuissant par rapport à tout ça. La position de la France, elle est hypocrite parce que on fait semblant de vouloir changer les choses, mais on change rien du tout et il n'y a rien qui bouge. Normalement, on ne devrait pas être impuissant parce que normalement, on est je ne sais pas combien de millions de musulmans au monde entier. On devrait être solidaires et pouvoir faire des choses. La Russie, par exemple, a été sanctionnée par rapport à l'Ukraine et je trouve pas ça normal que Israël soit là aux Jeux Olympiques. Ils devraient appliquer exactement la même chose pour les Israéliens qui ne respectent aucune loi. Moi, je parle en tant qu'humaine, pas seulement en tant que... C'est pour ça que je vous dis, je laisse la religion de côté, parce qu'en tant qu'humaine, je trouve que c'est horrible. Un être humain, c'est un être humain. Les Palestiniens, ils devraient vivre en paix, avoir leur terre, et vivre bien, aller à l'école, manger, se soigner. J'ai beaucoup d'amis qui ne sont pas musulmans, qui trouvent que c'est horrible en tant qu'être humain, parce que nous observons quelque chose à travers les médias, et on ne peut pas dire qu'on ne sait pas.